Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir les bots mythiques sur la nouvelle saison de Fortnite. Donc pour obtenir les bots mythiques, il faudra vous rendre à une tour gardienne. À cette tour gardienne, il y a un PNJ, donc un acolyte, comme vous pouvez le voir là juste en bas, il est en train de marcher. Il est en train de faire le tour de la tour. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tuer justement cet acolyte. Donc ce bot, donc il n'est pas super difficile à battre. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent justement les bots mythiques. Donc vous allez être possiblement être envahi d'autres personnes qui voudront justement... Attendez, on va lui lancer une grenade. 3. Voilà. Ok, en plus il esquive mes grenades. On a déjà le signe. Et oui, il se laisse pas faire, hein. Il se laisse pas du tout faire. En plus, il fait très mal. Ok, STP. Je le sens pas bien, mais bon. En plus, on a un autre qui me tire dessus. Voilà, je suis dans la merde. Ok, c'est bon, on a réussi à la tuer. Par contre, il y a les autres là qui me prennent la tête. Faut que je les tue aussi, eux. Ok, c'est bon, je me suis soigné. Donc, quand vous avez tué l'acolyte, donc la gardienne, vous ramassez cette chose. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, vous pouvez la lancer comme ceci. Comme ça, voilà. Parce que quand vous l'équipez, en fait, quand vous la portez, vous ne pouvez pas tirer avec. Donc, après, vous pouvez sauter. Donc, ça, c'est cool. Mais regardez, en fait, vous voyez, l'orbe, ouais, on va dire que c'est une orbe, elle vous indique un chemin à suivre. Donc là... Vous voyez la lueur qu'il y a juste devant, elle m'indique d'aller tout droit. En fait, tout simplement, en fait, elle nous indique d'aller à la flèche. Donc c'est ce qu'on va faire, en espérant ne pas se faire tuer entre temps. Ah oui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, des gardiens, enfin des gardiennes, il y en a partout, à toutes les tours des gardiennes. Donc les tours des gardiennes, il y en a une ici, il y en a une juste ici, il y en a une juste ici, il y en a une juste ici, il y en a une là, et il y en a une là. Donc voilà, il y a 6 tours de gardienne si je ne me trompe pas. Donc il y a 6 orbes qu'on peut ramener à la flèche. Donc la flèche, ben, c'est le centre de la map, donc c'est juste ici. Et en fait, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a 6 bots mythiques disponibles. Donc il y a 6 personnes qui pourront avoir des bots mythiques. Donc on verra bien ce que c'est, parce que moi je ne les ai pas encore utilisés, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc, la flèche elle est là-bas, il faut que j'aille jusque là. Donc faites attention aux loups parce que ils vont essayer de vous attaquer. Comme vous pouvez le voir. Donc faites attention. Et pour esquiver ces loups par exemple, si vous ne voulez pas qu'ils vous attaquent les loups, et ben ce que vous pouvez faire, c'est fabriquer. Donc vous allez dans votre inventaire, vous fabriquez une cape. Mais moi je ne peux pas la fabriquer parce que j'ai pas la matériau qui pour. En fait, il faut des ossements et de la viande pour la fabriquer. Est-ce qu'on peut prendre la tyrolienne en même temps? Je pense pas. Hein. Non, on peut pas. C'est bien ce qui me semblait. Ça aurait été trop facile. Est-ce que je peux prendre le véhicule en même temps? Non, on ne peut pas. Donc voilà, il faut vraiment y aller à pied. Alors là, elle m'indique toujours la tour. Alors ça n'a pas l'air de m'indiquer le dessus de la tour. Ça m'a l'air de m'indiquer le bas de la tour. Donc on va aller voir ça. Donc on a juste à suivre le rayon. La lueur que la boule dégage. Ok, donc voilà, j'ai trouvé. C'est juste ici. Hop, vous mettez la boule là. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Hop, vous obtenez les bottes de saut de la flèche. Allez, on va remplacer ça par ça, voilà. Et voyons voir ce que ça fait. Donc si je m'en équipe pas, ok. Donc j'ai pas l'air d'aller plus vite. Par contre, quand je m'en équipe, qu'est-ce que ça fait de plus? What the fuck? Ah, d'accord. Je n'ai pas de dégâts de chute. Ah, quoique. Ah si, j'ai des dégâts de chute.
Je ne comprends pas, attendez, j'ai réfléchi comment ça fonctionne. Ok! Ok, c'est bon, j'ai capté. En fait, hop! Hop! Et. Hop! En fait, vous sautez une fois, vous sautez une deuxième fois, et puis vous ressautez une troisième fois. En fait, c'est comme un kangourou. Vous faites comme un kangourou, et en fait, ben, vous sautez plus haut, et vous n'avez pas de dégâts de chute. Et si vous gérez bien les trois sauts, 1, 2, même pas 2 sauts, ben, vous pouvez déployer votre planeur. Donc, 1, 2, 3 sauts. Ouais, ouais, c'est bien 3 sauts en fait. 3 sauts pour déployer son planeur. Donc voilà. Après, je ne sais pas si ça fait quelque chose de plus. Je vais essayer de me renseigner. 2 secondes. Ah, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser votre arme. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper, de mettre votre inventaire sur les bottes pour pouvoir les utiliser. Vous prenez n'importe quelle arme et vous pouvez aussi les utiliser. Regardez, j'ai une arme en main et je peux quand même sauter avec les bottes. Hop. Voilà, franchement, ça peut être efficace. Hein, ça peut être efficace pour éviter les dégâts de chute et tout. Donc, je vais regarder si ça fait quelque chose de plus. Ouais, donc apparemment, ça fait rien de plus. Bah, c'est déjà quand même bien ce que ça fait. Mais voilà, apparemment, on va pas plus vite. C'est vraiment que pour faire des sauts. Bam, bam. Et voilà, et redéployer son planeur. Donc, voilà, c'est un peu... C'est un peu cheaté, un peu efficace, mais bon, il n'y en a que 6 dans la game, parce qu'il n'y a que 6 gardiennes à tuer, donc voilà. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoisCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.